se retrouve tous ici, c'est clairement, on sent que ça se rapproche, que la saison va débuter. Ça nous met vraiment dans le bon état d'esprit, je trouve. On a une journée qui est clairement dédiée à ça et on peut le faire de belle manière dans un cadre sympa. C'est une journée qui est très importante pour nous en sport d'hiver. On vient ici à Paris, voilà, il suffit de voir le monde qui se déplace, c'est une présentation officielle des équipes de France. Ça permet justement de mettre un peu en lumière notre sport pour lancer l'hiver. Donc une très bonne chose, c'est très important pour notre fédération. On fait un petit tour des médias pour lancer la saison. On va aussi à la rencontre des partenaires de la fédération pour tourner profiter qu'on soit tous ensemble pour tourner, pour prendre des photos que les partenaires de la Fédération française de ski puissent exploiter le partenariat. Donc c'est une journée assez sympa parce qu'on retrouve l'ensemble du ski français, toutes disciplines confondues, et des moments comme ceux-là, on n'en a pas tant que ça dans la saison. Donc cette journée des équipes qui est maintenant traditionnelle, elle lance pour moi la saison et ça veut dire que l'hiver approche, les feuilles commencent à tomber, on n'est pas loin. Elle est importante parce que voilà, on fait parler de notre sport, de notre discipline. Et à travers les médias, on va pouvoir impacter un certain nombre de personnes qui voilà, potentiellement pourront nous suivre sur les prochaines années. Donc c'est important de se livrer sur cette journée. Avant tout, à l'origine, c'est une journée pour la presse. En clair, on nous reproche souvent que le ski c'est régional, c'est dans les Alpes et puis c'est un peu loin. Et puis, il y a une quinzaine d'années, on s'est dit qu'on devait se rapprocher d'une certaine presse parisienne, en tout cas là où ça se passe. Et donc du coup, c'est avant tout pour la presse. Et c'est devenu un espèce de rendez-vous pour les partenaires, pour le monde du ski qui se rassemble à ce moment-là. Donc voilà, c'est le vrai lancement de la saison à Paris ici.